Eh bien, bonjour à tous, nous voici actuellement dans l'Eurofestival, dans le golfe de Saint-Tropez. Pour le rassemblement européen, Harley Davidson. Cet événement annuel est le plus grand rassemblement de Harley français. Des centaines de bikers de toute l'Europe sont réunis ici pour célébrer cette année le 111e anniversaire de la marque. Avec près de 15 000 motards, c'est le plus grand rassemblement de Harley Davidson en France. Tous les passionnés se sont donné rendez-vous ici pour défiler dans le golfe de Saint-Tropez. Une expérience magique. Ces motos légendaires sont déclinées sous toutes ses formes. Tous les modèles de la marque sont présents. Et on peut découvrir aussi des modèles customisés et super designés. Des modèles vintage des années 60. Des bécanes plus récentes. Et les dernières innovations de la marque. Alors là, on est dans le village Harley Davidson, avec plein de stands, des vêtements et accessoires. Bon, vous avez compris, ici on ne voit que des Harley partout, on ne parle que de Harley et on pense Harley Davidson. Alors derrière moi, il y a des essais d'Harley Davidson pour les amateurs. Ici, tout le monde peut venir essayer son Harley Davidson. C'est ouvert à tout le monde. C'est un petit entraînement. C'est l'occasion pour les amateurs de pouvoir profiter de ces machines. Parce que cette marque emblématique, c'est bien plus qu'une moto. C'est toute une philosophie. C'est aussi un style vestimentaire, un genre musical plutôt rock'n'roll, ainsi qu'un état d'esprit libre et sans limites.
La firme, fondée par Walter Harley et Walter Davidson, est née dans le Milwaukee en 1903. Harley Davidson nous vient donc bien sûr des États-Unis. Mais des clubs de passionnés sont présents dans tous les pays du monde et sont fédérés sous l'appellation HOG, Harley Owners Group. Les HOG sont devenus les plus gros clubs de motards au monde, avec à ce jour plus d'un million de membres. Des clubs locaux directement rattachés aux concessions proposent à leurs adhérents des sorties organisées pour se retrouver, pour rouler et échanger sur les dernières bécanes. Lors de la grande parade, c'est l'occasion de voir défiler la totalité des bikers. Ce sont des milliers de motos qui circulent dans tout le golfe de Saint-Tropez. La grande parade des motards se poursuit jusque dans le village pittoresque de Grimaud. Bon, pour tous les fanatiques de ces motos mythiques, venez nous rejoindre à Saint-Tropez! Allez, vieux motard que jamais! Ciao!